les choucroutes, ici Lupina sur Alexandra Lederman, la colline aux cheveux sauvages. Nous sommes à l'épisode 8, je crois, et c'est le jour de la coupe des légendes. Ok, on va arrêter de faire la conne et on va commencer. Donc Liam nous dit, c'est le grand jour Lily, pas trop stressée? Tu sais que c'est important. Sans toi, les Mustangs n'auront aucune chance. Mais à part ça, tu nous stresses pas du tout, Jaco. Juste avant, Non, normalement, c'est bon, il y a le son. Je vérifie parce que j'ai enregistré... Ok, le chat est encore fou. Non, mais... Je vais filmer. Vous allez voir l'état du machin. C'est magnifique. Regardez-moi ce gros tas. Voilà. Et en fait, des fois, sur ce fauteuil, il joue, enfin il court après sa queue en fait, donc voilà, c'était l'anecdote très intéressante de cet épisode. Et maintenant il y a Chacha qui joue avec les bouchons, c'est magnifique, je pense que c'est ma voix qui les stimule parce que c'est pas possible. Bref, on va y aller, hein, à un moment donné. J'ai eu trop peur que ma partie soit oh là là, mes cheveux, c'est pas possible. Bon, tant pis. Soit effacé parce qu'en fait j'ai dû refaire les réglages des graphismes et ça m'a fait peur. Bref. Alors, allez. Lily, je vais venir avec toi. Gna gna gna. On s'en fout. Allez, c'est bon, on va gagner. On n'est pas non plus. Enfin, on est trop fort quoi. C'est pas comme si c'était dur. Alors, on va. J'ai envie de dire, on va pas changer une équipe qui gagne. Donc, on va prendre Radija. Ouais, on va changer l'équipement, on va regarder ce qu'il y a. À mon avis, ça va pas être bien. Ok, d'accord. Donc, déjà, ça c'est pareil. Non. Non, bah, du coup. Ouais, du coup, laisse tomber quoi. Alors, on va le soigner, hein, désolé. Pour ce passage un peu relou. Je vous informe aussi que c'est la dernière fois. Enfin. Je pense que c'est la dernière semaine où vous m'entendez avec un micro pourri, sauf si je tourne plusieurs épisodes d'avance, ce qui est possible en fait. Donc vous allez encore m'entendre un moment avec un micro pourri. Enfin, ça va dépendre des séries en fait. Par exemple, le 100 bébés challenge qui est prévu jusqu'en juillet, vous allez m'entendre longtemps avec un son pourri. Pour le reste, je vais avoir un nouveau micro bientôt. Enfin, en gros, je vais avoir un micro cette semaine, sachant que je tourne le 21. On est le 22, mais c'est pas grave. Le son me pète les oreilles. Ouh, un gros plan sur ma tête. Magnifique. Je tourne le 22 mars, donc... Ah putain, il faut que je bouge ma caméra à la place. Bon, tant pis. Je tourne le 22 mars, donc... Donc voilà, donc pour moi, le micro va arriver dans la semaine. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Mon micro. Et aussi, je vais sûrement investir le mois prochain, donc en avril, dans un fond vert ou un fond bleu. Enfin, quelque chose pour que je sois moins moche, on va dire. Et ça, ça va être cool. Ça va être très très cool. Bref, vous voyez, je prends soin de vous, mes petites choucrou-loutres. Choucrou-loutres, oui, en fait, c'est un mélange de choucroute et de loutre. Parce que j'arrivais pas à me décider entre les choucroutes et les loutres, du coup. Du coup, voilà. C'est passionnant, ma vie. Faut bien que je raconte quelque chose pendant qu'on brosse ce canasson là. Et franchement, je vois même pas la terre, je sais même pas ce que je fais. Bon, c'est fini. Aïe aïe aïe, c'est pas possible. D'ailleurs, je pense que la série est bientôt finie. Je sais pas s'il reste encore 1, 2, 3 épisodes, mais il y en a presque plus. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Et après cette série. Je pensais faire un autre Alexandra Lederman, mais j'ai pas spécialement envie en ce moment. Et ce que je vais faire, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué quand j'étais petite et que je kiffe. C'est Zoo Tycoon, voilà. Zoo Tycoon avec un super accent. C'était horrible, excusez-moi. Donc Zoo Tycoon. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une simulation de création de zoo, donc tu fais ton zoo, tu fais tes parcs, machin. Donc moi j'ai le 2, je crois que j'avais le 1 aussi, mais je sais pas où il est, donc j'ai le 2 en intégrale, donc j'ai les dauphins et les dinosaures, enfin
J'ai tout quoi et je pense que ça pourrait être sympa de se faire un petit zoo. Alors par contre, je vous dis tout de suite, je suis nulle à chier en gestion de budget. Tu vas être donc à mon avis, on va vite faire faillite, la série va pas être longue. Mais ça pourrait être sympa. Donc je pense faire qu'une seule partie, parce que Zooticon ça se finit jamais, hein, clairement, sauf si... Qu'est-ce qu'ils font encore? Sauf si vous êtes en faillite ou que... ben vous avez rempli votre part quoi on va dire, mais du coup je pense que si tout va bien je terminerai la série en fait quand j'en aurai marre et à ce moment là je reprendrai un autre Alexandra Lederman. Donc j'avais dit que je ferai comment il baille le cheval, c'est horrible, que je ferai l'épisode précédent celui là donc c'est les aventures de Lily. Donc quel nom pourri Lily, je suis désolée, mais enfin, c'est pas un vrai prénom quoi, un surnom à la limite. Bon, il est bientôt propre ce cheval là ou comment ça se passe? 3 jours plus tard, hein. Mais laisse tomber! Est-ce qu'on va y arriver? Va-t-on y arriver? C'est la question de ce jour. Ah putain, tout ça pour ça. Allez! On veut faire la compétition, nous, on veut pas passer notre vie à vous soigner, trou de balle là. Oh, puis après, il faut faire ses sabots. C'est bientôt fini. Encore que c'est pas le pire, donc... c'est vraiment cette histoire de... Vous savez qu'en plus, shampouiner un cheval, pour de vrai, enfin, tu le fais pas tous les jours, quoi. Tu le fais en été et encore. Raja, la robe soyeuse, non, je veux pas d'explication, j'en veux toujours pas. Allez... Pas le temps de crever. Il va falloir un peu plus de patience. Ah oui, bah ça tu m'étonnes, ma vieille. Hein. Tu m'étonnes qu'il va falloir plus de patience. Oh, sourire de canard, je vous jure. Dédicace à Coin-Coin, si jamais elle passe sur mes vidéos. Mais j'en doute qu'elle regarde cette série. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Ecstasy? Mais... Attendez, faut que je vous montre. Je sais qu'on s'en fout, mais regardez-moi cette baie. Bon, il y a des papiers par terre, je suis désolée. Voilà. Elle est folle, hein. Elle est complètement folle. Mais c'est pas le pire, hein. Ouais, elle se met sur mon bureau. Tes sabots puis, sont bien sales. Elle s'enroule autour du bureau et elle joue avec sa queue. Mais elle est complètement barrée, cette chatte, hein, je vous le dis. Elle s'appelle pas Ecstasy pour rien, elle a bien choisi, tiens. Ah, ça y est, elle attaque son frère. Bon bah on est bien parti pour entendre des... J'imite bien chat qui se bat. Hein. Des... Pendant qu'on... Oh, bah c'est bon là, on s'en fout maintenant. Ah oui c'est vrai, le vent. Je sais même plus si c'est avec quelle touche. Si c'est avec quelle touche. Ok Loupi. Bah c'est celle-là. Et du coup qu'est-ce que je disais? Oui donc on est bien barré pour les entendre se faille. Se fight bientôt, se battre pour ceux qui parlent encore moins anglais que moi. Oui, je suis trop habituée à Black Desert où pour capturer les chevaux sauvages ou faire bien mettre le curseur, il faut appuyer par petites touches et là il faut vraiment rester enfoncé. Du coup, j'ai un peu galéré et ça me gratte. C'est cool, ma vie. Bon, allez, on y va là. Eh, ça fait déjà 8 minutes, hein, 8 minutes pour ça, je vous jure. Cross, saut d'obstacle, vitesse, qui s'en fout? Allez, go. Par contre, je vais pas du tout voir ce qu'il faut. Ok, si ça va, je vois. Il faut faire un saut maintenant. Youpi, j'ai envie de dire. Allez, hoppa. Et un saut. La blague. Putain, ils font faire 14 en plus. Je vous jure. Oh là, oh pas, oh pas. Il est mou du genou ce cheval. Ils aiment bien le saut pas, hein, je voudrais pas dire, mais. Il y a re-un saut après, c'est une blague. Allez, on y va! Hop.
pour vous. C'est clairement trop court. On en est à 12 sur 14. Ouf. Bah, c'est bon, c'est fini. C'est fini! Les raviolis! Je sais pas. Bon, par contre, il va falloir qu'on se sorte les doigts, si je puis être vulgaire. Parce que il faut qu'on gagne! Nous voici enfin à la Coupe des légendes. La seule, l'unique, 5 ans que nous l'attendons. Et oui, cette course reste rare et ne regroupe que les meilleurs cavaliers mondiaux. Ouais, trop bien! Si vous avez screené ma tête à ce moment, vous me l'envoyez sur Twitter, je pense que ce sera magnifique. Allez, on s'en fout, comment on échappe? On est obligé de se taper son blabla. En place à l'action. Oui, bah arrête de parler, ça ira plus vite. Oui, allez, on sait que c'est le cross, on a lu le planning de tout à l'heure. Allez! Faites-nous rêver, mais ferme ta gueule! Oh, la violence. Je suis mal polie. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est un petit peu mal poli. Donc ceux qui disent ah non, gna gna, je ne dis jamais de promo. En général, ce sont des gros mythos ou des jeunes. Enfin, des très jeunes, je veux dire. Et encore. Ou des vieux cons. Quoique, non, parce que les vieux cons, en général. Enfin, ils sont cons. C'est pas ça que je voulais dire. Comment on accélère déjà? Je sais plus. Cette touche, celle-là. Celle-là. Oui. Mon frère avait raison quand il disait ouais, ils mettent juste un masque de fou pour faire genre que ça va plus vite. Ah mon frère. C'est bon, on est première, on s'en bat les couilles. J'ai juste un petit peu peur pour l'épreuve d'obstacle. Alors tiens, on en parle. Allez, vas-y, fais ton baratin. Le saut est particulièrement difficile dans cette compétition. Oui, c'est ça. Bla bla bla. Bla bla bla. On lui dira. Eh, franchement, je voudrais pas dire, mais l'épreuve des légendes, ils sont pas très haut, hein. Enfin, ça a l'air low, oui, bien sûr. Ça a l'air haut et en même temps non. Enfin, je sais pas, mais dans les concours, enfin, les barres sont limite plus grandes que le cheval. Allez, fonce! Oh, il y a encore un doublé. Je sais. Oh, c'est une merveille de coordination et d'entente avec le cheval. N'importe quoi. Allez, on se met la courge maintenant. Go, go, go. Oula, le triplé là. Vous le sentez pas? Moi non plus. Allez. Oula là, c'était vert pas mûr ça. Hein. Vert pourri, hein. Allez, fonce! Fonce! Je pense pas qu'on sera première. On sera peut-être deuxième et il suffira de gérer l'épreuve de vitesse qui est simple comme l'embrouille. Le gâteau. Hein. Oh bah non, on est première. Tranquille! Tranquille! On gère la fougère! Allez! Ce
que c'est lourd ce jeu. En même temps, je viens de sortir de GTA et tout ça. Tu m'étonnes que c'est mou. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Allez! Allez, à fond les ballons! Vite! Je suis trop la concentration! Et c'est exactement le même parcours que le parcours de cross, hein. Mais sans les obstacles, je voudrais pas dire, ils sont pas trop foulés, hein. Est-ce qu'on va arriver à reprendre cette barre d'endurance? Bah quand même. C'est bon, hein, on est dans le pif, hein, je voudrais pas dire, mais... Là, la caméra qui est grand. Bonne caméra, loul. Allez, à fond les ballons. Oh, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre grande coupe des légendes et Lily se classe première. Oh là là, je suis trop bonne. Un grand bravo à notre nouveau, un nouveau cheval. Ah ouais, trop bien. Ah, Lily gardera un beau souvenir de ah, cette coupe des légendes pour les 5 ans à venir. Je sais pas en fait. Ah, dans la plaine. Ah, apprends à lire, Loupi. Ça y est, Lily, ça s'arrange pas. On s'en fout. Ouais, enfin, le respect du cheval avec un mort et une selle mal mise, tout est relatif, hein. C'est un autre débat. Bon. Hein? Super. J'ai gagné. Et Carla va bientôt revenir. Je lui ai donné la coupe. Félicitations, Lily! Bien joué, Lily! Tu es une très bonne cavalière! Bon, et bien maintenant, on peut aller copuler dans le foin, hein? Oui, il ne reste plus qu'à faire ça! Je continue les recherches? Ouais, j'ai toujours rien trouvé. Oh, j'ai failli oublier! Altaï va beaucoup mieux, comme c'est bizarre! Juste après la Coupe des Légendes! Mais oui! Aïe, 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 tu devrais aller le voir. Mais on s'en fout. J'ai pas envie de le remonter. Il a juste besoin de soins. Oh non, me dis pas qui. Ils sont sérieux. Allez, va brosser ton cheval. Gna gna gna. Gna gna gna. Bah oui, je sais pas, tu es obligée, donc... Ça me saoule. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce cheval, il sert à rien. Oh, c'est trop méchant. Où as-tu encore été tombé? Non mais enfin pas il sert à rien, mais je l'aime pas, je sais pas, il est pas beau, Non, je l'aime pas, c'est tout. Enfin, c'est pas contre lui hein, mais enfin, c'est pas qu'il est pas beau, c'est que je le trouve moche. Mais ça c'est un détail. Enfin, je sais pas, ce cheval n'a aucune utilité. Autant dans le premier épisode, ça va, tu t'accroches un peu à lui, mais là, non, juste non, en fait, tu ne sers plus à rien, quoi, bonhomme. Tu vas être magnifique. Ah oui, tu vas être magnifique. Yamete. Bon. Zut, ma brosse est sale. Oh, ma brosse est sale, quel dommage. Je suis désolée pour les bruits que je fais des fois. Je suis juste complètement folle. Voilà, vous n'avez pas besoin de me mettre dans les commentaires, je le sais et je le vis très bien. Je peux même vous donner quelques conseils pour bien vivre avec la folie. Parce que c'est pas toujours évident. Surtout dans les lieux publics. On s'en fout! Bon. Bon, après, avec vos amis, en général, vous vous lâchez. La famille, ça dépend avec qui, on va dire. Quoique, en fait, moi, j'en ai rien à foutre, donc... Enfin, non, je n'ai pas rien à faire de la famille, hein. C'est juste que... je suis folle avec tout le monde et puis si ça plaît pas aux gens, bah ils s'en vont et en général on me dit que je suis vulgaire. Je suis vulgaire. Ma folie, tu l'aimes ou tu me quittes. C'est bien ça comme slogan.
Je m'inscrire aux élections présidentielles, je pense. Je pense que je pourrais être une bonne présidente, oui. Ou pas. Je vais arrêter de dire de la merde parce que là, je dis clairement que des conneries. C'est même pas drôle en plus, c'est ça le pire, je pense. Tu vas être... Vous avez le droit de vous faire des fesses palmes. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, une fesse palme, ça veut dire ça. Voilà. Se taper la main dans la tête. Hein. Face et palme. Bref. J'ai bien compris, hein, parce que bon, moi, l'anglais... ça fait 42-12. Mais je pense que si Flo regarde cette vidéo, elle me le dira dans les commentaires, puisque elle est québécoise et les Québécois sont bilingues, donc... enfin, normalement. Parce que tous, je pense. Je crois. Allez! C'est trop bien, les Québécois. J'aimerais trop y aller au Québec. C'est bientôt fini. Mais bon... Ça va le chat? Tu mets Hydromel? Grougan, maintenant qu'il a pris la place d'Hydromel sur le dossier, il va faire une connerie. Grougan, t'as une tête à connerie. Ok, le chat, il va regarder comme ça et ensuite il est parti à fond les ballons. C'est pas grave. Tu n'aimes pas beaucoup ça. Si tu veux, bonhomme. Hein. Non, mais ils sont contents. Ça veut dire qu'ils sont heureux quand ils jouent. Grougan, tu descends de la table. Ils s'en foutent. Bon, je peux pas me lever, j'ai pas envie de me lever pour être honnête, donc... Grougal. Peut-être qu'il allait comme ça. Oui. Bon, on s'en fiche de mes chats, vous allez me dire. Voilà, elle a fait tomber le carton. C'est génial. Mais c'est pas possible, ce chat. Quelqu'un le veut. Non, je déconne. Je vous préviens, c'est un très bon réveil matin, sauf qu'il n'est pas très bien réglé. En fait, il réveille en général 2 heures avant que vous vous leviez. Enfin, que vous aviez prévu de vous lever. Par exemple, si vous devez vous lever à 8 heures, il vous réveille à 6 heures, etc. Quoi. Donc, et c'est pas la peine de feinter, il le sait. Non, mais c'est juste qu'il miaule tout le temps. Bon, on s'en fout. Ah. Sarah est dans son laboratoire depuis des heures. Elle a dit qu'elle ferait vite. Psst. Elle va revenir. Ne t'inquiète pas, Lily. Grougal! Permettre de savoir si le comète de Ruth Van Guinness fonctionne sur les jumeaux. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'elle fonctionne. Mon père ne m'aurait jamais menti. J'ai bien peur que si, Carla. Le remède qu'il nous a donné ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible! Désolée. Mon père ne m'aurait pas menti. Ce n'est pas possible! Pas à moi! Je suis sa fille! Eh ben ouais, c'est d'avoir un gros connard de père. Désolée. Oh, les choupinettes, elle a des remords, elle est triste. Va la rejoindre en zone 1. Oh, mais on s'en fout, qu'elle pleure et puis sera moins. C'est horrible ce que je dis. Bon, ça me saoule ce chat. Grougal, tu m'énerves. Donc, hors caméra, je ferai grandir le petit. Et l'épisode prochain, je vous ferai un poulain en direct, si on peut dire comme ça. Je vais essayer de faire la palousa, mais je crois qu'on ne peut pas. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Je crois qu'on ne peut pas. Hey. Pourquoi? Pff. Ouais, donc en fait, ça sert vraiment à rien, quoi. Hein, le cheval. Mais je t'aime pas, mec. Fous-moi la paix. Allez, avance ton boule. Ring, ring. Grougal, tu vas finir en pantoufle. Ah non, c'est Chacha maintenant. Chacha, tu vas finir en pantoufle. Les pantoufles. Allez, chat. C'est pas possible, quoi. Hein. C'est pas possible, chat. Puis évidemment, c'est là où c'est plus loin. Hein. Sinon, c'est pas drôle, j'ai envie de dire. Allez, vas-y, saute. Là, on s'en fout. Bon, elle est où, Germaine? Puis elle est bien à l'autre bout, en plus. Hein. On peut la traverser, la rivière, là?
Ah bah oui. Ah, elle est avec machin. Shaiman, là, Shaiman. Vas-y, comment on descend? Comme ça. Je lui ai fait payer. Hein? Mon père, il m'a menti, tu as fait quoi? J'ai appelé Osman, je lui ai révélé l'existence du laboratoire et je lui ai expliqué toutes les tricheries que l'écurie Van Guinness a pratiquées ces dernières années. Oh, c'est officiel maintenant, on ne pourra plus jamais participer aux compétitions. Viens ici, toi. Regardez-moi cette racaille. Tu es une racaille. Tu finiras en pantoufle. Imaginez sa petite tête sur les chaussons, vous savez. C'est horrible ce que je dis. Non, mon chat, t'es chiant. Allez, dégage. Oh, ça brille. Bon. Donc, et toutes ces coupes lui ont été retirées. Mais toi, Carla, je pense que tu vivais pour les compétitions. Je préfère ça que continuer à concourir en trichant. Et puis, avec ce que j'ai appris de toi, j'ai compris que les compétitions n'étaient pas ce qu'il y avait de plus important. Pas vrai, Shyama? Tu as fait un bon travail avec Shyama, je suis extrêmement fière de toi. Tu l'as vraiment bien apprivoisé. Je pense que c'est plutôt lui qui m'a apprivoisé. Oh, tu vois, Carla est encore meilleure que toi, Lily. D'ailleurs, il a refusé que je l'amène autre part qu'ici, et depuis qu'on est arrivé, il fixe le ravin. C'est ici que Liam et Sarah ont retrouvé blessés après les éboulements et il a perdu sa famille ici. Oh, le pauvre. Hey, calme-toi. J'ai l'impression qu'il est attiré par quelque chose. Oui, il est bizarre depuis tout à l'heure. Et oui, il va sauter. Une pouliche. Qu'est-ce que t'en sais que c'est une pouliche? Cette jument vient de pouliner. Oh. Lily, mais que fais-tu? Tu es folle. Voilà, c'est pour ça que vous pouviez que prendre Altaï, parce qu'ils ont que modelé Altaï pour ce saut, en fait. Voilà. Carla. Carla. Oui. Carla, il y a une famille en bonne santé ici. Il va falloir les déplacer. Ouais, comment tu veux faire ça? Est-il possible que cette plante... Tout ça pour ça, tu sais. Bien sûr, c'est ça. Ça explique pourquoi ils vous prévenaient ici tout le temps et vous êtes sûr qu'ils allaient bien. Il y a des chances que cette plante soit celle que l'on recherche depuis le début, celle qui annule les actions du trifle noir. Oh là là, pourquoi tu dis ça, Lily? Cette jument, elle a pouliné il y a peu de temps. Cette plante a dû avoir un effet bénéfique sur elle. Et regarde, elle est encore pleine. Elle n'est donc pas stérile. J'ai la quasi certitude que mon raisonnement est le bon. Sarah nous a dit que le trifle noir a été sûrement combattu par une autre plante et ça pourrait fort bien être celle-ci. Bon, elle a dit celle-là, mais c'est pas grave. Je retourne au ranch. Ramener la plante. Ok. Comment on ramène la plante? C'est bon, on l'a déjà. Bon, bah... Ah, gna gna. Eh bien, c'est reparti pour une fabuleuse... Dégage, toi. Une fabuleuse chevauchée. Allez. C'est mou de la réaction, hein. De la réaction, ça ne veut rien dire. Quand on appuie sur les touches, vous savez, c'est mou, quoi. C'est pas direct. Il faut toujours un espèce de temps, là. Là, c'est comme quand on conduit bourré, voilà. Un temps de réaction un peu plus long. Bah là, c'est pareil. C'est très pénible. Très, très pénible. Hop, gna gna gna. C'est bientôt la fin du jeu. Et ben du coup, je sais pas s'il y aura un prochain épisode, les amis. Même si c'est la fin de celui-là, je vais quand même rentrer au ranch. Parce que je sais pas si j'aurai assez de 30 minutes la prochaine fois, en fait. Pas du tout. Ou alors, je vous fais... Je vais vous faire un petit peu mariner. Je vais durer le suspense. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est salaud, hein? Eh ben, je pense que je vais faire ça. Ah, oh, ça fait 30 minutes!
Quel dommage! Vous saurez le dénouement de cette histoire dans le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager la vidéo, à m'envoyer des cœurs et des paillettes. Je vous kiffe et salut!